mesdemoiselles, messieurs, habituellement on commence très lentement pour que cela donne la possibilité à ceux qui sont à l'arrière, il n'y a aucune raison de rester à l'arrière, de se rapprocher. Ne serait-ce pas élégance pour madame, pour Lady Jornet qui est là. Quand je dis ça, tout le monde va venir. D'abord, on vous, au nom de toute la famille Phoenix, je vous remercie pour votre présence cet après-midi. Comme vous le savez, nous procédons au lancement de la vraie cuisine mauricienne, qui est une version totalement remaniée de la première version qui est parue, si mes notes me le confirment, en 71, avec des réimpressions en 72 et en 88. Je ne connais pas la genèse de cette opération, sauf qu'il m'a été donné de comprendre, après une interview que j'avais faite de Quito, qui était à Maurice à ce moment-là, et une interview de Karine, ici présente, que c'est plus un hommage à leur père qu'autre chose, une manière de faire perdurer son œuvre. Et en fin de compte, c'est une manière, quand on publie un livre, et je pense à la correction de beaucoup d'écrivains qui sont dans la salle, de passer à la postérité, ou du moins d'assurer une certaine forme d'immortalité. Qu'est-ce que j'aurais préféré que mes enfants soient comme les vôtres, Madame Phoenix? Mais pour l'instant, je ne vois qu'indifférence de ce côté. Mais ça viendra, je suppose. On ne peut qu'admirer la ténacité, la pugnacité de vos enfants, Madame, de rendre un hommage aussi puissant, aussi vibrant à Guy. Alors, pour ce, même vos supplicats n'ont pas été, semble-t-il, dans le secret des dieux, en croyant jusqu'à tout récemment que Guy était chef de cuisine, que c'était son métier. Alors que Michel peut confirmer, nous avons là un témoin, Michel Chancay, kinésithérapeute, que Guy a été kinésithérapeute, c'était ça, son métier, sa profession, et on le voyait tout le temps. Quand on avait des directs à la MBC de match de foot, courant souvent sur le terrain pour aller porter secours aux joueurs blessés. Et il y allait souvent, parce qu'à l'époque, c'était assez brutal ce jeu de foot. Alors il courait. Mais sauf que tous ceux qui l'ont côtoyé savent que Guy tenait table ouverte à quatre bornes. Tous ceux qui voulaient goûter des plats mauriciens venez se régaler à la table des Félix. Et je crois que c'est Guy Duc qui m'en a parlé, que Guy était un peu peut-être le père fondateur de la nouvelle cuisine mauricienne qu'on appelle fusion aujourd'hui. Et je crois qu'il a préfiguré tout ça. Ça a été un homme de vision de pouvoir mélanger toutes nos saveurs pour notre plus grand plaisir, et pour ceux qui vont faire l'acquisition du livre, de connaître ce personnage hors du commun, qui est décédé, je viens de l'apprendre, en 2001, à l'âge de 63 ans. C'est là qu'on réalise qu'il est mort très jeune, en fin de compte. Hein. 63 ans, c'est là qu'on commence à vivre habituellement. Ben voilà, on procède donc au lancement de ce livre qui a été, l'opération a été la suivante, c'est-à-dire contacter le NSI avec le chef Thierry Saint-Marc, qui a été le deuxième ouvrier de Maurice, selon la deuxième place, pardon,
du meilleur ouvrier de Maurice, avec le concours de Christian de Boussu Pica pour les photos, pour ce bel album qui est un album de luxe, forcément, mais qui, malgré le côté gloss, le côté, disons, hyper luxueux, on peut sentir la saveur de cette cuisine. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'invite Karine me dire quelques mots. Tout de suite, bah oui. Ils connaissent tous, ça risque d'être long. Non, je plaisante. Je vous promets que Karine je sais pas. Est la fille de Guy. Il faut dire que c'est la fille aînée et que les deux autres, Guito et Nadine, sont des jumeaux. Guito étant à Melbourne et Nadine en Suisse, si je crois. Oui, tout à fait. Alors, merci infiniment à tous, messieurs les directeurs, chers parents et amis, de nous honorer de votre présence pour ce lancement qui voit la concrétisation d'un projet qui, il y a un an exactement, semblait totalement irréalisable. En effet, nous avions un devoir de mémoire, car la vraie cuisine mauricienne, ce livre, l'œuvre de notre papa, qui avait accompagné nos jeunes années et avait fait l'objet de multiples rééditions, pour nous ne pouvait pas péricliter. Nous devions le rééditer. Certes, la remise sur orbite du livre n'était pas aussi périlleuse que le sauvetage de la mission Apollo. Mais pour nous non plus, failure was not an option. Nos premiers échanges avec M. Yashwin Assamal, le directeur des éditions de l'Océan Indien, qui a piloté ce projet, ont fait ressortir le fait qu'il s'agissait avant tout de rendre hommage à Guy Félix, un père, un époux, un grand-père aimant, mais surtout un Mauricien engagé au service de sa patrie. Alors pour cela, il fallait relever le défi de moderniser le livre afin qu'il entre de plein pied dans le 21e siècle, d'y intégrer les recettes préférées et inédites de papa et de faire les meilleurs choix éditoriaux. Et tout cela sans trahir la philosophie de Guy. Pas faire rien, quand même nous mens un peu avant, une fois nous capables, mens un peu plus bien. Sans tous ces efforts, nous prenions le risque que son œuvre parte en désuétude. Mais comment s'y prendre, papa n'étant plus là pour tout chapeauter comme il le faisait avant? Lourde tâche, me direz-vous. D'autant plus que les trois enfants ne vivent pas sur le sol mauricien, Finlay l'a dit. Mais elle a eu le mérite de nous concerner tous, y compris les gendres et les quatre petits-enfants. Et surtout, nous avons eu la chance d'être accompagnés par une équipe de professionnels hors pair, sans laquelle le livre ne se serait pas fait. Le pilote Yashwin aux commandes, l'hôtel Hennessy, serait le pas de tir du futur lancement. À ce titre, nous remercions la direction de l'hôtel Hennessy, composée de M. Glan, Mme Urchorn et de M. Mahabou, pour leur accueil chaleureux et très professionnel. Nous les remercions aussi d'avoir mis à notre disposition leurs locaux afin que les recettes puissent se réaliser. Et c'est là que la famille Félix rencontra la Dream Team, réunis par M. Assamal. Pour moi, ce sont les quatre fantastiques. J'ai nommé chef Thierry Samar de l'hôtel Hennessy, qui nous a conseillé et a réalisé des présentations bluffantes, novatrices et appétissantes à partir des recettes originales de papa. Un très grand bravo, chef. Et pour rendre compte de ce beau travail, nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés, et je mesure bien la chance, Monsieur Christian Bossupica, talentueux photographe que l'on ne présente plus. Christian a merveilleusement restitué toute la magie des plats réalisés par Chef Thierry et sa brigade. Merci beaucoup, Christian. Cette équipe,
donc les quatre fantastiques avec Yashvin, bien sûr, Monsieur David Cabri a écouté nos desiderata et il a su nous proposer une mise en page moderne susceptible de combler toutes nos attentes. La valeur n'attend pas le nombre des années, disait Corneille. Et David l'a prouvé grâce à ses suggestions judicieuses et aussi avec la patience dont il a fait preuve lors de nos longues soirées de correction avec Nadine. Merci et bravo pour votre investissement à tous. Merci. Du côté de la famille Félix, je dois dire que l'enthousiasme nous a gagné peu à peu. Maman a retrouvé les photos souvenirs. Les enfants ont partagé les anecdotes pour rédiger la biographie. Nous avons écrit les recettes inédites et avons revisité avec bonheur des recettes de notre enfance. Ce sont pour nous nos madeleines de Proust. Mais plus que tout, cette aventure m'a permis de réaliser à quel point les recettes de Guy Félix sont intemporelles. Toute la difficulté de cette nouvelle édition a donc consisté à ne pas trahir l'esprit d'origine tout en insufflant à l'ouvrage des accents de modernité. Que fallait-il garder? Quelles notes éditoriales apporter? Et là, vous parlez de la Genèse, finie, effectivement, c'était tout le problème. Le phrasé pittoresque de papa a été maintenu, vous le retrouverez. Ses propos émaillés de créolisme qui confèrent une grande saveur au texte ont fait ressurgir chez nous des souvenirs magiques. Les recettes à partir d'espèces protégées apparaissent pour leur valeur historique. Carijaco, civet de tortue de mer, gratin de petits requins salés. Pour ma part, je me souviens encore des jours de Fancy Fair où l'on s'arrachait les portions de carry numéro 2, mitonnées par Guy Félix. Et grâce aux soins que l'auteur apporte à contextualiser ses recettes, les jeunes générations et les visiteurs découvriront l'origine de certains plats, ainsi que les anecdotes sur les lieux où on les trouvait à l'époque. Par exemple, le bouillon de crabe que l'on mangeait à l'hôtel Gros Piti à Port-Louis les jours de course. Je parle aussi du catless que l'on trouve à l'hôtel Shining à Rosil, le halim que consomment les débardeurs à Port-Louis, et la soupe mama que l'on mange au sortir de la boîte de nuit, et j'en passe. Donc vous allez vous replonger dans l'île Maurice d'antan. Mais outre son intérêt culinaire, on peut dire que la vraie cuisine mauricienne a indéniablement une valeur patrimoniale. Et cela s'explique par la personnalité même de Guy Félix. J'ai souvent entendu dire « un phénomène ça, Guy Félix ça ». Mais qui était-il en réalité? Il était humaniste, il était curieux, il était inventif. Et il a été un pionnier en matière de cuisine, car il adore partager. Physiothérapeute en chef, le jour, au ministère de la Santé, le soir, il prend ses tabliers et il se mue en cuisinier, secondé en cela par sa chère épouse, Michèle. Et d'ailleurs, toutes les amies de ma mère l'enviaient, cet époux qui savait si bien cuisiner. Bon, mais elle le gardait bien, ma mère, hein, ça on le sait. Et puis donc, pour Guy, la cuisine, il faut le savoir, c'est quand même un violon d'Ingres qui lui permet de partager ses recettes. D'abord à l'oral, avec les copains. Mais ensuite, il réussit la gageure de réunir pas moins de 150 recettes issues du patrimoine culinaire mauricien en un premier livre, une synthèse des cuisines mauriciennes, paru en 1972. Et ce livre aura le succès que l'on sait. Il sera réédité et deviendra le livre de référence de nombre de Mauriciens exilés, de jeunes mariés, d'étudiants et de touristes désireux d'emporter dans leurs valises des souvenirs de saveurs locales. Devenu donc une figure incontournable de la cuisine locale, Guy s'engage sur de nombreux fronts. Il multiplie les passages dans les médias locaux et quand il accompagne les délégations de sportifs mauriciens à l'étranger en tant que dirigeant, il exporte son savoir-faire culinaire pour le plaisir de tous et il défend ainsi les couleurs de l'île Maurice. Et comme il adore partager et échanger, il revient à Maurice et il intègre à sa cuisine des plats et des saveurs exotiques.
D'ailleurs, certaines des recettes inédites que nous publions ici sont le fruit de cet échange, comme par exemple ourique-fine champagne, poisson rosabelle, espadon au kombava. Ce sont des échanges qu'il a eus avec des personnalités étrangères et il a ramené ça à Maurice. Rétrospectivement, nous pouvons dire que Guy a posé les premiers jalons, tu en as parlé, de ce qu'on appelle de nos jours la cuisine fusion. Alors, et visionnaire, donc, comme il savait l'être, il aura compris très tôt, en mesurant la difficulté à classer une recette dans un groupe culturel spécifique, que la synthèse, et là je vais le citer, la synthèse s'est opérée. Il ne s'y trompe pas, car la synthèse des cuisines mauriciennes devient en 1987, donc, la vraie cuisine mauricienne. Ainsi, on peut dire qu'il aura contribué à l'émergence d'une identité culinaire proprement mauricienne, gagnant ainsi le droit de figurer au panthéon des Mauriciens engagés au service de sa patrie. Il nous quitte en février 2001, après avoir été décoré par le président de la République, Kassam Outine, et il est fait citoyen d'honneur de la ville de Quatre-Bornes, à titre posthume bien sûr. Cette nouvelle édition, donc, a pour but de lui rendre hommage pour que son œuvre continue à vivre. Pour nous, la famille, cela a été une très belle aventure, pleine de souvenirs et de magnifiques rencontres. Au nom de tous ceux qui sont de l'autre côté de l'océan, Nadine, Guito, Roland et les quatre petits-enfants qui sont impatients de voir le livre, Estelle, Thomas, Loïc, Aurélie, et de nous trois ici présents, maman, mon mari Thierry et moi-même, je vous remercie pour l'attention que vous nous apportez et je gage que vous brûlez tous de vous remettre à vos fourneaux. J'appelle tout de suite Yasmin Assamal, le nouveau patron des éditions de l'Océan Indien. Une entreprise qu'il a prise depuis 3 ans, spécialisée plus dans la publication des manuels scolaires, mais qui depuis son arrivée déborde largement ce cadre pour commencer à publier d'autres ouvrages. D'ailleurs, il y a un ouvrage de Christian et du professeur Andouillal qui a été publié par ces éditions-là. Et maintenant, avec la vraie cuisine mauricienne. Bonsoir tout le monde. Madame Lynn Sarotin-Jacknot, Madame Michel Félix, distingués invités, amis, je vous remercie pour votre présence ce soir. Voilà, comme Karine dit, ça fait 1 an que a commencé cette aventure. Qui résulte aujourd'hui au lancement du livre La vraie cuisine mauricienne. Et ça a été une très belle aventure. La première rencontre qu'on a eue, c'était Madame Michel, qui est tout le temps présente et qui nous rend visite à Rosil. Donc lorsque Karine et Nadine étaient en vacances à Maurice, donc on a eu une rencontre à Bagatelle. Et là, Karine a voulu savoir, ok, qu'est-ce que les éditions des Indiens pourraient emmener de ce livre qui existait depuis des années, 40-45 ans. Et voilà, je lui ai présenté un peu c'était quoi nos idées, c'était quoi le plan. Je lui remercie et la famille Félix pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Ouais. Et de là a commencé l'aventure à rassembler l'équipe pour pouvoir réaliser l'œuvre. Donc l'idéal, enfin, au début on a dit ok, la vraie cuisine mauricienne, on voulait faire ça dans un hôtel au bord de la plage pour avoir vraiment cette idée de la cuisine mauricienne. Mais finalement, les discussions qu'on a eues avec la direction de NSI, qu'on doit remercier beaucoup. Pour avoir mis à notre disposition toute leur équipe, chef Thierry en particulier. Une fois l'hôtel et le chef en place,
On a eu le support de Christian, avec qui on a déjà travaillé dans le passé. Christian qui, pendant le tournage, Karine s'y a nommé le magicien, parce que vous regardez le plat d'une façon, et Christian, avec sa magie, mais il présente voilà, beaucoup, beaucoup mieux que qu'on voit en réalité. Et finalement, une fois que l'œuvre était faite, Karine aussi qui a refait un grand travail pour la relecture et la révision des textes. Et finalement, nous avons eu notre maquettiste, David, qui a le talent pour pouvoir aujourd'hui présenter cette œuvre. Et voilà, ça a pris du temps, mais finalement, voilà, c'est là. Donc, pour moi-même, personnellement, ça fait 3 ans que je suis aux éditions de l'Océan Indien maintenant. Et bon, c'était au début une compagnie qui était un peu à la déroute. Donc, le challenge n'était pas seulement de relever la boîte, mais c'était aussi de sauvegarder ce patrimoine culturel, littéraire, de tous les ouvrages qui ont été publiés pendant les derniers 40 ans. Et donc, petit à petit, on a réédité le livre avec Christian, Les Ondes et Lumières, donc, qui représente un peu l'île Maurice, la culture. Et là, cet ouvrage-là, toujours encore une fois, touchant la cuisine. Donc, on est bien ancré sur la culture mauricienne à promouvoir. Et le prochain, ce sera un peu sur l'historique, l'histoire de l'île Maurice. Et nous avons quelques autres projets aussi sur Rodrigue, qui fait partie de l'île Maurice. Bon, on n'appelle pas les éditions de l'Océan Indien qu'en restant à Maurice. Donc, l'autre étape serait de bouger, d'inclure Rodrigue dans la République. Et bon, éventuellement, espérant que voilà, les éditions seront vraiment une édition de l'Océan Indien où on pourra toucher tous les pays touchant dans l'Océan Indien. Et voilà, je vous remercie bien pour votre présence ce soir. Et merci. C'est toujours un plaisir de procéder au lancement d'un ouvrage, d'un livre, parce qu'on a le sentiment de participer à une œuvre créatrice aussi. Et c'est, pour moi, c'est toujours un double plaisir quand la personne que je vais présenter pour prendre la parole n'est autre que Sarojini Jagannath, que j'appelle pas Lady, comme vous le savez, compte tenu de nos relations souvent tumultueuses depuis de nombreuses années. C'est avec plaisir que j'accueille au pupitre Lady Sarojini Jagannath. Yashvina Tamal, managing director des éditions de l'Océan Indien. Les enfants. Distingués invités, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je salue tout le monde. Hein. Je dis aussi un grand merci pour votre accueil avec ce joli bouquet que je viens de recevoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour le lancement de la réédition de l'ouvrage de Feu Guy Félix sur la cuisine mauricienne. Il n'est un secret pour personne que la cuisine mauricienne fascine et émerveille. Cette cuisine riche et variée nous a été léguée par nos ancêtres qui sont venus de tous les continents. Les traditions culinaires françaises, indiennes, chinoises et africaines, qui sont les cuisines les plus connues et appréciées dans le monde, ont été transmises de génération en génération. Tout cela fait aujourd'hui partie de notre culture et nous en sommes très fiers. Maurice, comme vous le savez, a des liens historiques très forts avec la culture française qui lui a laissé son savoir-faire.
des plats français comme la daube, le civet de lièvre ou le coq au vin, servi avec un bon vin, en sont le témoignage. Au fil du temps, certains plats ont été agrémentés d'ingrédients exotiques du pays, leur apportant une saveur unique. Les travailleurs indiens engagés, qui sont les arrière-grands-parents de la majorité de nos compatriotes, emmenèrent avec eux leur délicieuse cuisine. Ces travailleurs engagés vinrent de différentes régions de l'Inde, chacune ayant ses propres traditions culinaires. Le safran, la cannelle, la cardamome et le girofle, qui figurent parmi les épices les plus utilisées, apportent eux au plat une saveur forte et subtile. Il faut aussi mentionner la grande place faite au dol, aux légumes, aux haricots et aux achats en guise d'accompagnement. Les dol pourris et les rôtis d'origine indienne sont devenus pour nous les fish and chips des Mauriciens. Le biryani, très apprécié également d'origine mongole, est un plat préparé par la communauté musulmane avec de la viande mélangée à un riz épicé et à des pommes de terre. Par contre, les immigrants chinois, dont la plupart étaient originaires du sud de la Chine, et plus précisément de la région cantonaise, nous ont apporté la cuisine variée et sophistiquée de la Chine. Ces plats font appel à tous les sens avec leur couleur, leur forme, leur arôme et leur saveur. Vous savez, les mines frites, le riz frit, le chop suey et les rouleaux de printemps sont appréciés par tous. Au fil des années, chaque communauté a puisé dans la cuisine des autres, en réadaptant selon ses goûts, ce qui a donné la cuisine mauricienne. La cuisine créole, par exemple, est un mélange d'ingrédients et de saveurs variées. L'incontournable rougail est accompagné d'achar ou de dol et de riz d'origine indienne. C'est-à-dire à quel point la cuisine mauricienne nous offre une large variété de plats de différentes origines qui fait que notre pays n'est pas seulement un paradis pour ses atouts naturels, mais aussi pour sa gastronomie. Je vous dis, faites comme l'arbre, changez vos feuilles, mais gardez vos racines. Changez vos idées, mais gardez vos principes. Cela étant dit, je n'ai aucun doute que l'ouvrage de feu Guy Félix sera précieux, non seulement pour les jeunes, mais également pour tous, pour nous qui souhaiteraient s'informer et aussi trouver des recettes pour préparer un bon plat mauricien. La vraie cuisine mauricienne s'inscrit parmi les ouvrages qui se dégustent, se transmet et se partage. Donc, je souhaite à tous bonne lecture et bonne appréciation de notre patrimoine culinaire local. Merci pour votre aimable attention. Récemment, je vous connais beaucoup dans la cuisine thaïlandaise, cuisine chinoise, les cuisines à thème du Génésie Park Hotel. Là, je vois dans la cuisine mauricienne, c'est un retour aux sources. Effectivement, bon, écoute, déjà, c'est notre patrimoine qui fait ici une référence pour la cuisine mauricienne, donc ça m'a donné l'occasion déjà de retravailler les recettes avec l'équipe de Génésie Park Hotel, surtout de la cuisine. Donc on a essayé d'emmener les recettes à un certain niveau, à un niveau créatif, inventif, et en respectant les produits matières premières, les produits du Nord,
et en respectant les recettes qui a été initiées par Guy Félix. Mais ce fut un très grand plaisir d'avoir participé à cet événement et à faire le livre devenir un succès. Vous avez l'habitude d'avoir en votre compagnie des chefs qui sont de Séoul, de beaucoup de pays. Et là, vous avez un chef qui n'est pas là. C'est la cuisine mauricienne, la cuisine fusion, comme Karine a dit, c'est facile? Non, en principe, c'est pas facile, mais déjà de faire tout le côté du mélange, comme on est à l'Imorice, donc on est à une culture de melting pot, donc déjà de travailler avec tous ces produits, de faire le mélange qui a été concrétisé à l'époque par Guy Félix, j'ai essayé de remettre tout ça en place, mais après d'avoir goûté les plats, ce que nous avons réalisé, mais c'était une tuerie, c'est excellent. Vous aimiez proposer une semaine, je ne sais pas, mauricienne, Guy Félix, dans les jours, les semaines, les mois à venir? Dans les jours à venir, peut-être pour l'année prochaine, on va essayer de travailler quelque chose, mais dans l'éventualité, donc on se concentre sur les périodes de festivités qui arrivent le 24 décembre et le 31 décembre qu'on va faire ici. Quelle est la recette la plus facile à faire pour un simple cuisinier? Donc, moi je dirais aller carrément sur un brocaille de poisson salé et un riz blanc, un chutney de coco et un bouillon de braise de chouchou. Dernière question Thierry, quelle est la recette de Guy Félix? Vous avez du plaisir à faire? Ah oui, exactement. Moi ce que j'ai réalisé, c'est le poisson rosabelle. Donc c'est une recette qui est un petit peu, donc un peu fusionnée comme a dit Karine. Là vous avez un petit peu la cuisine chinoise, la cuisine française, la cuisine rayonnaise, la cuisine anglaise qui a été mélangée dans cette recette. Le plus beau recette puisque moi je peux trouver dans Si vous aviez à offrir le livre à quelqu'un, à qui vous allez ouvrir la vraie cuisine mauricienne édition 2018? Si, je n'ai pas compris la question. Si vous aviez à offrir ce livre-là à quelqu'un, à qui allez-vous? À référer. Donc moi, ce que moi, je réfère tout le temps, comme je le dis, avec ma brigade, c'est déjà de transmettre à la nouvelle génération. Je transmettrai ce livre à la nouvelle génération pour que la cuisine mauricienne continue à évoluer.